her rum and my cola. I told her I love her, but I wasn't sober. She gave me a blowjob. 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 She gave me a blue. She gave me a blowjob. She gave me a blowjob. She gave me a blowjob. She gave me a blue. J'étais en bas du bloc, chill avec mes soldats. J'ai allumé la doja. C'est un jour comme un autre. Quand débarque la loca, elle sort de la gova. Shoot comme le Costa. Rica la go est une fausse pas. Alors y'a rien le cause. Mamie soit tifati veut se faire lever sur le sofa. Elle fait la go qui cause pas. Marie aimé ça fait 10 mois que son mec est en stage. Si elle aime je ne pense pas. Vu le regard qu'elle me lance par le haut quand on se croise. Elle est ses hanches larges. Faudrait peut-être que je tente ma chance, rien à faire. Je te casse sa porte, je m'ouvre en peignoir. Je rentre dans la barre, je lui sers du vin. Je déteste, elle adore. Elle tend un joint, elle veut que quelqu'un la voie. Où est ma Rona? We burning the soja. Stop chaining my soda. She gave me a blowjob. You know where I'm at, my cola. I told her I love her, but I wasn't sober. She gave me a blowjob. She gave me a blowjob. Je peux te dire un truc et je suis pas la seule fille à l'avoir remarqué, à l'avoir compris. Mais dans la vie, si t'as envie de tenir quelqu'un, un gars surtout, par les couilles, il faut que ta technique au niveau de la langue, au niveau de l'aspiration, soit au paroxysme. Parce que le truc, c'est que même si après, il te fait les pires coups, même si après, il te trompe, même si c'est ça, toutes les autres meufs qui vont passer après, à part si elles savent aussi bien faire des pipes que toi, sinon, à chaque fois qu'il va coucher avec une meuf, et surtout qu'elle va le sucer, il va se rappeler de toi et il va être triste. Il va se rendre compte qu'il a perdu quelque chose qui lui faisait vraiment du bien, tu vois. Et ça, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir qu'on a, tu vois. Parce qu'après, le gars, le sexe, vous avec les gars, enfin, je fais des généralités, mais je sais que tout le monde n'est pas comme ça. Mais pour vous, les gars, quand même, le sexe est quelque chose d'important dans votre vie. Donc si vous rencontrez quelqu'un qui vous fait un putain de truc et que vous êtes là, oh, vous êtes obligé de l'arrêter tellement, genre, sinon vous allez venir trop vite tellement c'est parce que vous avez jamais vu ça, bah je sais, je vais rester dans votre tête jusqu'à votre mort.